Yo les gens, ici Rapistan 750, on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact. On se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce pour un puzzle, on va appeler ça un puzzle. Donc je vais vous montrer la zone où c'est. Donc moi je suis ici, donc je vais mettre un peu plus haut. Vous montrer sur la carte où c'est. Donc ça va se trouver ici à côté du lac de Lumoa, ouais, je sais pas si ça se dit comme ça, et à côté vous avez le boss de feu. Donc pour cette ce puzzle, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs totems à enflammer. Et en fait, moi j'ai cherché pendant au moins 5-10 minutes comment faire pour trouver cette astuce. Et en fait, c'est très simple. Faut pas se fier aux autres qui sont allumés, vous voyez. Par exemple, si je fais ça, si je prends pas en beurre, regardez. Très vite fait. Donc voilà, ça s'allume, vous voyez. Hop. Voilà. Donc tous les poteaux s'allument. Là, c'est allumé. Vous voyez là, c'est allumé. Du coup, vous ne vous fiez pas à tous les poteaux. Quand vous arrivez ici, vous allumez que celui-là. Qui est ici, vous allumez celui-là. Voilà. Après, vous allumez celui-là dans l'ordre. Et celui-là. Et vous aurez votre récompense. Ça sert à rien d'allumer les autres. Je sais pas pourquoi il y a autant que ça, mais je pense que c'est sûrement un piège. Donc du coup, je vais pouvoir prendre la récompense. Et du coup, j'ai une plume hibou, un minerai de renforcement affiné, diadème de l'argent et un minerai renforcement mystique. Et j'ai aussi une épée, je crois. Ouais, une épée d'entraînement, donc c'est pas terrible. Donc voilà, courte vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo. Si vous allez, portez bien. Peace!